بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ورب. Bonjour. On va voir certains versets du chapitre Al-A'raf. Dieu nous dit: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. C'est-à-dire Dieu nous a révélé les différentes écritures et elles ont été fermées par le Coran. Voilà, quand j'ai un kitab, ça dit ici, ou bien ce sont les Qurashites, ou bien les contemporains de Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, ou bien toute l'humanité depuis la nuit des temps. Voilà, quand j'ai un kitab, parce que Dieu n'a jamais rompu sa relation avec ses créatures. Donc, à chaque époque, il envoie une révélation pour le mémoriser et pour attirer l'attention des croyants qui seront jugés un jour ou l'autre. وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. C'est-à-dire, ce kitab-là, il est toujours bien étudié par Dieu, il est bien articulé, il est bien expliqué, etc. عَلَى عِلْمٍ, par exemple, le Coran, il a été révélé tout au long de 23 années. C'est pas un clin d'œil. وَلَقَدْ جِئْنَا, on dit, il y a أسباب التأويل, c'est-à-dire, il y a certaines causes qui ont été le point de départ d'une révélation bien précise. Voilà, quand j'ai un kitab, c'est-à-dire ce kitab-là, il a bien un caractère scientifique d'une façon absolue parce qu'il émane de Dieu. Voilà, quand j'ai un kitab, c'est-à-dire c'est une occasion et c'est ça, la fonction du Coran, c'est pour nous diriger, pour nous guider vers le droit chemin divin. Voilà, quand j'ai un kitab, c'est la grâce divine, c'est la miséricorde divine, les comme nous, c'est-à-dire ces caractères-là, tafsir le kitab, ou le huda, ou le rahma. Les qawm yu'minun, c'est-à-dire ces faits, ces caractéristiques-là, sont bien précieuses pour les gens qui croient. Pour les autres, ils vont rejeter tout ça en bloc. Je répète, وَلَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.